Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as écrasé les martiens? Les amis, si vous aimez notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir chacune de nos vidéos dès sa sortie. Ciao! Salut Internet, c'est Kamoff, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant que la vidéo commence, vous le savez, vous commencez à le connaître et à avoir l'habitude, je vais vous parler de Sully Prono. Alors si tu connais pas Sully Prono, c'est que t'es nouveau, je te fais un petit rappel. Sully Prono, c'est un pronostiqueur, comme son nom l'indique, et il fait des pronostics sur le foot, sur le tennis et sur plein d'autres sports. Là, il y a eu la ligue qui est passée, il a fait un carton. Et regardez, je vous mens pas, je vous en montre la preuve. La dernière fois, je vous ai montré un petit peu d'argent, là je vous en montre un peu plus, voilà, hein. De quoi faire un petit complément de salaire. Donc n'hésitez pas à rajouter Sully Prono. Son compte Snapchat, il s'affiche juste ici. Et tous les liens sont dans la description. Donc pour les feignants, si vous voulez le rajouter sur Snapchat, le lien est en description. C'est l'un des meilleurs pronostiqueurs que je connaisse. Et franchement, je lui fais confiance les yeux fermés. Donc si Bibi Kamoff vous dit de faire confiance à Sully Prono, vous pouvez faire confiance à Sully Prono, à condition bien sûr d'être majeur. Bonne vidéo à tous. Et on se retrouve à la fin pour une petite conclusion. S'il y en a une, on verra bien. Allez, ciao. Je tiens également aussi à remercier les derniers membres qui ont rejoint la chaîne. Merci du fond du cœur. Vos noms s'affichent ici, comme promis. Et sachez que si vous souscrivez à un abonnement, si vous rejoignez la chaîne et que vous nous soutenez, vos noms seront dans la prochaine vidéo, comme je viens de le faire aujourd'hui. Donc je vous souhaite à tous un bon visionnage et faites attention à vous. Ciao. Vous nous rendez le cross, oui ou non? Vous le rendez ou pas le cross? Vous voulez pas le rendre? C'est son tour. Mais aujourd'hui c'est le vôtre les gars. Salut Internet, c'est Kamoff. Bienvenue sur la chaîne principale. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la vidéo qui est sortie mercredi dernier. Hein? Je suis toujours en compagnie de mon petit cousin qui veut garder l'anonymat. Hein? C'est pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir. Le lien est en description et on vous met un petit flashback de suite. Je vais le prendre. Non, attends, je t'explique. Attends, je t'explique. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu sors un couteau? Tiens, non, vas-y, mets-le. Mets-le. Parce que vous êtes plusieurs. Sur un couteau en plus. Vous êtes quatre, c'est une couteau. Donc pour cette vidéo, je suis en compagnie des frérots aussi qui sont venus pour m'aider. Il y a Thomas qui est venu pour m'aider et remerciez-le en l'ajoutant sur Instagram. C'est grâce à lui qu'on va pouvoir faire cette vidéo. Et grâce au frangin aussi, KGL, qui fait du rap. On vous met un court extrait de son clip maintenant. Et dans la zone, c'est miné. Ouais. Et dans la zone, c'est miné. Ouais. Et dans la zone, c'est miné. Dans la zone, c'est miné. Ouais. Ouais. Donc voilà, KGL, vous le connaissez aussi. Si vous voulez le rajouter, n'hésitez pas aussi. Il y a son Snap qui s'affiche en bas. Et il a une chaîne YouTube, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez écouter ses musiques. Donc aujourd'hui les gars, comme tout à l'heure, parce qu'en fait c'est le même jour, hein, tout à l'heure ils m'ont fait un peu les vaillants. Donc là on est revenu à 3, mon petit cousin il va rester avec le caméraman parce qu'il est jeune. Je vais aller avec KGL, on a 3 extincteurs. On va leur mettre une espèce de coup de pression, et c'est le cas de le dire parce qu'il y a vraiment de la pression là-dedans. S'ils ne veulent pas nous rendre le cross, je vous jure les amis que si, malgré qu'on arrive avec les extincteurs et qu'ils ne veulent pas nous rendre le cross, qu'ils nous poussent à bout, je vous jure qu'on s'en servira. Et là, si on s'en sert, je vous promets qu'on va récupérer ton cross. D'accord? On va le récupérer, ton putain de cross. Et après, tu feras attention où tu iras avec, d'accord? Mais je vous promets qu'on va le récupérer, ce cross. Donc là, on va retourner dans le quartier. On va rester encore planqué quelques temps. On va voir où ils sont, s'ils y sont encore, s'ils sont toujours le même nombre, s'il y a encore le cross d'ailleurs. S'il y est toujours, ben, malheureusement pour eux, ils vont se prendre de la poudre dans la gueule. Donc bon visionnage à vous et à tout à l'heure. Voilà les gars, voilà, on est là, on est devant le quartier, ils sont moins nombreux que tout à l'heure et il n'y a pas le cross. Donc je suis dégoûté, il n'y a pas le cross et on ne peut pas faire quoi que ce soit tant que le cross n'est pas là. Tu es sûr qu'il n'est pas dedans? Non, 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 parce que hors caméra je le vois, j'ai vu à l'intérieur, il n'y a pas. Ah. C'est un bloc en plus, ouais, c'est un bloc frère. Donc le cross il n'est pas là, je sais pas quand on attend. Ah, attends, il y a des scooters et tout là. Par contre s'ils viennent à 50, ça va pas le faire. S'il reste 3 ou 4, ça va, mais s'ils sont 50. J'entends le bruit du cross, frère. Ouais. Ah putain, si c'est lui, c'est nickel. Ouais. Ok, c'est bon, c'est lui. Tu l'as à la caméra? Tu l'as. Ok. Vraiment, les 6 enculés. Ah, il bandit avec, hein? Ouais. C'est un truc de fou, il bandit avec. C'est les gens qui font même pas attention.
Ils s'en foutent, c'est pas eux, ils l'ont volé, frère. Le cross, tu le laisses là dans une semaine et il est éclaté le cross. Déjà, il a morflé déjà. J'ai vu la bavette. Non, mais tout à l'heure, j'ai vu la bavette. Ouais, ils ont fait bordel avec. Pas, donc, non, mais non. C'est que sur les terrains. Ah, oui. Les gars, je suis revenu. Je vais récupérer le cross et je vais le récupérer, je te le garantis que je vais le récupérer. Moi j'ai pas récupéré le cross. Tout à l'heure. T'approches pas trop par contre. Je te garantis que je vais tirer dessus. Ça va tirer à bout portant, frère, ils sont pleins. Je vous le demande une dernière fois, s'il vous plaît, rendez-moi le cross. On te rend rien. Tu sûr? Oui, je suis sûr. Tu veux pas me le rendre? Tu veux donner ce cœur sur le cœur ou quoi? Moi, je voulais chercher des petits cartes à périmètre. Tu sais quoi? On va faire simple. Vous voulez pas nous rendre le cross? Non. Hein? Ne partez pas en courant. Pourquoi vous t'éloignez? Pourquoi tu t'éloignes? Tu as peur? Pourquoi? Tu as peur? Hein? Oui, je sais. Qu'est-ce que tu as peur? Tu as peur? Tu t'assumes pas? Non, t'inquiète. Qu'est-ce que tu as? Si je m'approche de toi, tu pars en courant? Tu pars en courant si je m'approche de toi? Comme ça? Non? Vas-y, dégage. Ouais. Vas-y, dégage, c'est rigolo. Appelle Mathieu, s'il te plaît. Mathieu! C'est qui Mathieu? T'inquiète. C'est qui Mathieu? Pas Mathieu? C'est qui Mathieu? On connaît pas Mathieu. T'approches pas, recule. Recule, je t'ai dit. Recule, je t'ai dit. Lui, c'est mon petit cousin. Les trois là, ouais. De quoi? C'est vous là? C'est eux, c'est eux. C'est qui? C'est eux, les trois? Ouais, c'est les trois. C'est sûr? Ouais, ça va, vas-y, va donner. Vous lui avez niqué le cross. On est d'accord. Donc maintenant, non, maintenant, on va arrêter de parler. Il touche pas. Il fume pas le petit. Je le connais mieux que toi, il fume pas le petit. Il a habitué. Derrière. Quel âge vous avez, les gars? Quel âge vous avez? 20 ans? 18. Quel âge? 18? Ouais. Tu veux te faire manger un coup d'extincteur maintenant dans la tête ou tu me rends le croc? Je vais pas parler 100 ans. Je vais pas parler 100 ans. Je vais pas parler 100 ans. Ouais. Tu retournes votre chez toi. Tu as besoin de ton cousin pour aller le chercher. Ouais, parce qu'il a. Il a 17 ans? Oh! Il a 17 ans, vous étiez 4 sur lui. D'accord? Non. Alors soit. D'accord, si tu veux. Ok. Vous nous rendez le cross, oui ou non? Vous le rendez ou pas le cross? Vous voulez pas le rendre? C'est son tour. Mais aujourd'hui c'est le vôtre, les gars. Prends-le, Thomas, prends-le vite. Vite, bouge-toi, accélère. C'est chaud hein les gars parce qu'ils nous ont. Je sais pas si t'as filmé quand ils nous ont cavalé derrière. Ils nous ont cavalé derrière, j'ai envoyé un cri quand même, je l'ai raté. Il y en a un, il a essayé de m'attraper le cross et tout. Hein. Là à mon avis c'est mort, il faut appeler Mathieu. Il faut appeler Mathieu, dès qu'il va voir le cross, mon petit cousin il va être content. Allô Mathieu? Ouais. Ouais, le caméraman il a tracé, on est à. Je t'envoie l'adresse, je t'envoie la position, ok? Ils l'ont niqué. Ouais, ils ont niqué le cross V là, la bavette et tout là. Et encore ça va, ils auraient pu faire pire. Hein. Ils sont allés sur la route. Eh ouais. Du fond du cœur. Parce que je pensais vraiment pas le retrouver. Franchement. Regarde-le. Vas-y, c'est le tien. Tu es content? Ouais, franchement, merci les gars. Oui, ça, tu es la famille. Hein. Attends. Un gros merci au frangin KGL qui était avec nous. Son extincteur, je crois qu'il a. Le tien, il a pas marché. Ouais, mais. Son extincteur pendant le truc, il a pas marché. Un énorme merci pour Thomas. Parce que c'est lui qui a piloté le cross, et d'ailleurs heureusement qu'il pilote les cross, parce que bon, moi aussi, hein, mais pas mieux que lui. Donc rajoutez-le sur Instagram, c'est le héros de la vidéo, voilà. Vous le voyez, son Insta s'affiche en dessous, rajoutez-le. Rajoutez le frangin KGL sur Snap, allez voir sa chaîne YouTube, parce qu'il fait du rap. Rajoutez-nous aussi sur Instagram, parce qu'on a tendance à nous oublier. Donc rajoutez-nous sur Instagram, ça nous fera énormément plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo, et dimanche, pour une vidéo sur la chaîne secondaire. Je vous fais de gros bisous. Encore merci à vous tous les gars. Et toi? Merci à vous. Ouais, et toi? Fais attention. Quand ne passe plus par des endroits comme ça. Gros bisous à tous les gars. Et n'allez pas encore sur la route. Et faites attention où vous allez. Si vous en avez un ou un scooter ou n'importe quoi. C'était Kamoff. À mercredi prochain. Ciao.